In time, you will know the tragic extent of my failings. Et ouais. On est de retour. Pour plus de Darkest Dungeon. Le Darkest Donjon, alors. On a elle qui est très très chiante. Premier tour, c'est horrible. Complexe d'infériorité. Elle a eu au naturel qui est vraiment pas bien. Toutes ses habilités sont même pas augmentées. Il faut payer. Elle est horrible. Je crois qu'elle, elle va virer. Hein. Elle va virer, ça fait trop. Il faut déjà la déstresser de 1. Il faut monter deux fois son équipement. Donc deux niveaux. Il faut augmenter ses habilités aussi deux fois. Au moins 4 habilités. Il faut lui enlever... Inattention. Il faut lui enlever le syndrome de l'imposteur. Et elle a rien de bien. La seule chose qui pourrait être bien, c'est intouchable. Et elle est malade. Allez, à plus tard. It is done. Turn yourself now to the condition of those poor devils who remain. Voilà, parce que là, faut peut-être pas exagérer. Alors après, les bêtes... les abominations, elles sont sympathiques. J'ai enlevé le mode aussi, là, qui en... qui changeait, parce que j'aimais pas le mode, en fait. Les bêtes, on va dire qu'elles sont sympathiques, on n'en a pas des abominations, donc ces deux-là, on va les garder. De toute façon, elles étaient niveau 3, donc du coup, on paye beaucoup moins cher pour les augmenter. Donc à la limite, ça, on va les garder, on peut les déstresser. Mérald, Hérald... Elle a la nervosité, il faut lui enlever à tout prix, parce qu'elle commence à me faire chier. T'as rien à gagner, de toute façon. À garder, pardon. à limite, la précision, oui, pour stun et tout ça, mais voilà, c'est tout. Toi, on va te changer ça. Toi, t'as la maladie. Mais bon, ça peut encore être bon. Visée faillible. Critique. Critique moins 2%. C'est pas trop grave. Équilibre en arrière. Furnival, elle est bien. Honnêtement, mais elle a jamais rien d'intéressant, en fait. Enfin, elle nous a vachement aidé, parce qu'elle est niveau 6 depuis un petit moment, quand même. Attendez, on va aller classer par classe. Oui, Furnival, elle a fait du bon boulot. Puis elle nous a aidé pendant un combat de Dark... de Darkest Dungeon, là. Mais elle a rien d'intéressant. Après, Maneili, elle a des trucs pas mal. Maneili, ça va. Ouais, Maneili, ça va. Emerald, Hérald, ça peut aller. Ils sont... Ouais, nos soins, nos 4 soins sont pas top du top. On a 3 docteurs. Ça, c'est quoi, ça? Arbalétrière. On a mousquetaire. On a 2 furies, 2 croisés, 3 croisés, 3 croisés. Toi on avait ça, on t'avait verrouillé ça, mais honnêtement c'est trop chiant, en fait. Ça fait trop d'argent, en fait. Pour une classe qu'on n'utilise pas. Send this one to journey elsewhere, for we have need of sterner stock. Pour une classe qu'on n'utilise quasiment pas, de devoir mettre autant d'argent, ça fait un peu chier quand même. Parce que je veux pas dire, mais on a nos persos qui sont même pas full, hein, encore. Hein. Genre par exemple, Jayandad qui est là depuis très longtemps, il lui manque toujours des habilités au max, par exemple. Bon, après, c'est pas des habilités qu'on utilise souvent, mais même. Mais c'est pour dire. Donc ouais. On a 87k, donc ce qui est bien. On a encore un peu de place. Très bien, on va regarder un peu ce qu'il y a. Alors, on a toujours le mouchoir. Marée douce, ça on l'a déjà. Ça on l'a. On va enlever les...
bien. On a le portrait de l'ancêtre. La bougie, là aussi. Résistance à l'infection et à la maladie. Ça, on l'a pas, mais c'est pas mal. Ah oui, on voulait ça. Le collier à pointe, parce que le chien, on commence à l'utiliser, mais il a rien d'intéressant. Enfin, on n'a rien d'intéressant, en fait. On a ça, c'est pas très utile. Donc, peut-être que on devrait prendre ça. On devrait prendre le chien. Alors, c'est vétéran long. Alors, vétéran long... Après, je voudrais faire le DLC aussi, mais bon, peut-être qu'on fera encore le prochain niveau. Vétéran long, il faudrait prendre des niveaux 3. Je pense. Bon, je suis pas trop sûr. Il nous faudra un maître d'armes, honnêtement. Ah, allez, on va faire le DLC à la limite. On va faire le DLC. Ouais, on va aller faire le DLC. Allez. Une invitation à une soirée de jeu et de divertissement, signé le baron. Alors, objectif. Le hameau est infecté par un fléau d'insectes nuisibles volants. Affrontez les ruines marécageuses de la cour et mettez le feu à leur monstrueuse colonie. Et on a des moustiques depuis. You will know the tragic extent of my failings. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de chercher là? Bien, effervescence. Réduction de stress de vie sont légèrement moins efficaces. Okay. C'est bien qu'on peut vraiment tout regarder depuis le niveau 1. Putain, ouais, ça tue quand même. Ah ouais, ça tue. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir tout voir depuis le début. Vraiment cool. Donc ouais, il y a des moustiques qui sont apparus, extrêmement agressifs. Ils ont même tué une personne apparemment. La personne n'avait pas survécu, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Car apparemment, il y aurait une cour et ils viendraient de là. Les moustiques et tout ça, les insectes. Donc on va enquêter en fait sur ça. Donc on y va. Alors, je sais pas du tout, je connais pas. Je crois que c'est le truc que je connais le moins. Parce que c'est vrai qu'à la ferme, quand on avait fait le premier, le deuxième niveau, tiers, peu importe. Après, je me suis un peu renseigné tout ça sur l'histoire et sur le mode infini et tout. Après, on m'avait un peu aidé aussi sur le donjon ténébreux en commentaire, donc c'était cool. Mais là, je connais pas du tout. Je sais juste que c'est des. Y a des vampires et la malédiction apparemment. Alors toi, on peut prendre toi, comme ça on te fait monter, parce que j'aime bien les lanciers là. On en a deux. Donc à la limite, on pourrait faire un duo. Qu'est-ce qu'on a là? On a une furie, je suis pas très fan. On a un croisé. Là, on va pas les monter encore, parce qu'on en a déjà plein. On n'a pas de soin? T'es sérieux? On a zéro soin? Ah, on a zéro soin. Je pensais qu'on allait avoir un soin. On peut y aller peut-être comme ça, ça devrait passer. Mais on va voir, il n'y a pas un soin qui traîne. Il n'y a pas de soin qui traîne. Ah, ça va être chaud sans soin, non? Ça va mal se passer. Merde. Ah mais en plus je peux pas vraiment mettre le flagellant parce que... Attends, quoi qu'elles peuvent lancer les lances. Ah mais non, il faudrait que ce soit en première ligne. Après c'est court. Donc à la limite, j'ai envie de dire, ça devrait passer quand même. Alors fais voir un peu.
prend, ou alors on prend une autre. Putain, c'est quoi toi, t'es un médecin? Ah, on fait le croisé. Le croisé soin. À la limite. Total stop plus rapide. Oh là là, t'as de la merde toi aussi. C'est ouf quand même. Ok, on en fait voir un peu. Prends du soin. Alors là. Ouais, allez, vas-y, on va faire un truc. On n'a pas besoin de camper, donc ça va. Alors comment on va le jouer? Parce que là c'est un peu étrange. On n'a pas trop besoin de la marque, je crois pas. On va juste prendre des dégâts. Comme ça on peut le faire avancer. Là on a avancé, l'attraction on s'en fout un peu. On peut prendre ça. Je crois que les deux en fait on peut prendre ça. Et on va jouer un peu sur les mouvements. Je pense que ça passe. Du coup, il faut du soin. Il faut du soin. Pourcentage de soins. Soins reçus, non, c'est pas ça. Compétence de soins. Ah, c'est un peu limité. Hein. Vitesse dégâts. Compétence de soins. On en fait vraiment un soin. Ça, après, on a que lui. Hein. Donc, on est un peu limité. Ah, on peut tester ça. Toi aussi, tu fais du soin. PV max et compétences de soin. Hop, PV max et esquive. Après, qui c'est qui fait le plus mal? Toi, t'as du crit en moins, mais non, ça va. Elle est où la lance? Elle est là. Prends la lance. On a qu'à prendre la protection aussi. On va prendre esquive avec ça. Je pense qu'on a une équipe, ça y est. C'est pas l'équipe parfaite, mais on va se débrouiller avec ça. On a du soin, le cri de ralliement. Là, on a du soin, de la protection. Et là, on a des dégâts. Voilà quoi. Là, il pourra même pas faire ça. Voilà, à la limite, il pourra faire ça. Ouais, non, ça va, ça va se débrouiller. On a du stun. On n'a pas de stun. Ah, ça va. Let's go. Yes, let's go. Alors, on doit brûler des nids. Alors, torche couverte de poids. Une torche spéciale enroulée deux fois dans un tissu et trempée dans des produits sulfureux. Ça marche. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Nickel. Bam bam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je connais pas en fait. 4. 4. 3. Ça va être pure découverte. On va pas prendre de sang pour le moment. C'est parti! The courtyard and gardens surrounding the manor were once a point of pride for the diligent custodians I employed. Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. The
despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half-hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper into the mud. Alors j'ai regardé une vidéo, quand j'en avais parlé, une vidéo où c'est que ça parle de l'histoire. Et ça va nous donner pas mal d'histoires en fait sur pourquoi l'ancien là, il est devenu comme ça là. Soaked and sinking, these stone terraces and sprawling gardens were the site of long forgotten revelry and well remembered regret. Ok. Lumière de sang, stress supérieur, résistance saignement inférieure. On peut voir un peu. Lumière moins 10%. Marécage. Tas d'os étranges, une pile d'os étranges et de tendons poussiéreux jonchent le sol. Qu'est-ce qu'on avait utilisé la dernière fois ? Pour les ossements, ça. Bon, bandage. Ok, ça marche. Ok. Ouais, on voit qu'il y a eu des trucs bizarres ici. Ils sont tous entretués, je crois. Ouh, c'est quoi ça? Putain, surprise. C'est trop bien. Alors, un domestique et un suppliant. Des gens qui ont été transformés en une sorte de... Je sais pas, d'insectes bizarres en fait. Eradicated. Très bien. Il est joli comme ça avec ce casque là. J'aime beaucoup ce casque comme ça. T'es sérieux? T'as rien? Ah bah oui, mais non, on a rien à taper. On a personne à taper en fait. Très bien. Récolte de sang. Crit 6. J'aurais dû tester le... Attends, j'ai fait quoi moi? Ouais, il faudrait que je teste le soin en fait. As the fiend falls, du coup, on peut pas faire de torche, ça sert à rien la torche. Waouh, c'est dégueulasse! La gormeur. Ouais, l'histoire elle est superbe en fait, de tout ça. Vu que je la connais un peu, je vais un peu pouvoir mieux en parler. Donc ouais, là les gens en fait qui vivaient sur ce domaine ont été transformés en insectes surtout. En insectes fous de sang et tout, c'est vraiment sympa. Du coup on peut faire... Bam! Ah, tu fais pas trop de dégâts mais c'est pas grave. Après honnêtement on l'a mis en soin, mais elle est déjà en soin. Donc on aurait pu faire des dégâts à la place. Mais bon, au cas où, si on en a besoin. La soif. Résistance, ouh. Très bien. Alors fais voir le soin. 6 points. 6 points pour du vétéran, je crois que c'est potable. Pas mal de trucs. Ah, pas mal de trucs.
truc qu'on pourrait faire. Ouais, on aurait dû mettre un truc de dégâts là à la place. Pas grave. Alors, ruche envahissante. La ruche est malsaine et contre nature. Allez, le travail de la vermine maudite. Voilà. Une de fête. Alors, fleur de sang. La terre est imprégnée de sang et à moitié coagulée. J'en sais rien. J'en sais rien. On lui fait quoi? On lui donne du... On lui donne ça. Je vais regarder vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui donner du sang, mais ça fait rien. On peut lui donner de l'eau bénite, ça fait du stress. Ça crée du stress. Parce que c'est contaminé, et du coup ça fait un mauvais effet avec l'eau bénite. Après, on peut utiliser une pelle pour creuser. Là, il y a un obstacle, faut faire attention. On peut creuser. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. De toute façon, on est surtout là pour explorer, quoi. Le décor est super classe. Bon, du coup, j'ai des torches, ça sert à rien, quoi. Ouh, c'est quoi ça? Cocon palpitant, les organismes changeants et protubérants se cachent derrière des murs translucides. Ah, c'est dégueulasse. Ah, on peut peut-être brûler ça. Je vais voir. Les œufs trans... Ah, merde. Bon, bah, bref. Par contre, ça reste pas assez longtemps, les écritures, je trouve. Les œufs, ils ont pas aimé, quoi. Du coup, mes torches, ça sert strictement à rien. Ok, encore des moustiques. Très bien. Infidèle. Deus Volt, infidèle. Comme ça. Ah, putain de son. Waouh, c'est quoi ce truc? Gémissement assourdissant. Obliterated. Seize this momentum. Push on to the task's end. Enfin, on n'est pas là pour récupérer des objets. On est là pour survivre. Boum. Ok. Ouh, ça a l'air grand, dis-moi. Oh, il y a du vin, il y a des bouteilles de vin. Ah, dégueulasse. Oui, ça aussi, on va en savoir plus sur les bouteilles de vin partout. C'est tout plein de détails, en fait, partout à chaque fois dans le jeu. C'est vrai qu'au début, on fait pas trop attention, mais en fait, il y a plein de détails qui expliquent l'histoire. Très bien. Et infidèle, bam. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Bah, ça passe bien notre équipe pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ça? Après, je crois qu'on peut faire autre chose.
Ah, on peut invoquer des trucs. J'ai envie de tester. Wow, ok. On a... Alors, ça, on connaît. Ça, on connaît pas. Monsieur. Monsieur, monsieur. Ok, la soif. Ah merde, la soigner, ça. Quoi, change d'infliger un étourdissement plus 20%. Ah, c'est dégueulasse. Hop. Faudrait que elle. Ah oui, mais elle, parce qu'elle a le... la vitesse en moins, c'est ça? C'est pour ça qu'elle a du mal à passer. Oula. Riposte. Je crois que c'est pour ça. Ouais, vitesse moins 2. On va tuer ça. Très bien. Ouais, il faut faire gaffe aux, à nos debuffs en fait. Ah, super. Zéro. On va tuer lui parce que lui me fait un peu peur. Il est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Ils sont horribles les cadavres. Bombardement. Faudrait soigner un peu en fait. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, c'est pas mal. On va le tuer parce que sinon elle va, le truc va bouger. Ah, mais c'est sympathique en fait. Ok, sympathique pour combattre des trucs en plus. Ok. Cocon palpitant. Quel soulagement. Alors là, objectif de quête. Il nous en reste plus que deux à détruire, non? Oui, deux encore. Alors. On va pas faire que combattre non plus. Pas exagérer. Oh, joli. Ah, il est là le cocon. Annihilated. Bien joué. On devrait garder du sang sur nous, juste au cas où, si on doit l'utiliser. Parce que ici apparemment, il y a des trucs qui réagissent au sang. Alors, la ruche envahissante. Bam! Brûle, saloperie. À la limite, on n'a pas le problème du de la lumière. Par contre, est-ce qu'on a des objets qui fonctionnent avec la lumière? Parce que je veux voir si on est à 100% en fait de lumière. Du coup. Non, on n'a rien sur nous, c'est bête. Ah, attendez, est-ce qu'on a des habilités? Non, dégâts si tort supérieur à 75. Non. Non. Dégâts si tort inférieur. Non plus. Ok, donc c'est comme s'il n'y avait pas de torche en fait. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. Genre, il n'y a pas de torche du tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de torche. Une fontaine maudite. Un puits bouillonnant, crash, un Ixor, Ixor, pourpre, depuis une source maudite. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut brûler le sang, apparemment. Ou alors on peut mettre de l'eau bénite dessus.
En fait, faut prendre de l'eau bénite et faut être un prêtre, quoi. Enfin, faut partout. Ah, c'est marrant. Par contre, on gagne pas mal de stress tout le temps. Mais c'est genre, c'est vraiment très peu. C'est genre 1, mais c'est tout le temps, quoi. En plus, c'est de 1 à 4, quoi. C'est 1, 2, 3, 4 à chaque fois. C'est intéressant. Bon, on va aller vers le combat. Ah non, le stun, c'est un stun ça. Non, non, non. Très bien. Ça devrait aller. Devoir faire. J'aime bien ce qu'on voit son bouclier dans le dos quand il fait ça, cette attaque là. On va devoir se soigner un tout petit peu, juste au cas où. Si on peut, ce serait bien. Ah la vache. Et attends, t'as changé de forme ou quoi? Domestique. Ou alors c'est moi qui n'ai pas fait attention. Mais vas-y, t'es immonde, crève. Yes. Success eh ben. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Il y en a des machins. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le pot? L'eau bénite aussi, stress plus. On peut mettre du sang dessus. Tu vois? Ok, ça va passer. Ça a fait pousser la plante plus vite. Ça a détruit la plante. Ça a détruit le pot en fait. Oula, c'est quoi ça? Merde, on a plus de sang. Mégère. Encapuchonné. Une silhouette mystérieuse particulièrement humaine et particulièrement insecte. Et partiellement humaine et partiellement insecte. Et agenouillé au sol. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Tu veux de l'eau bénite? Moi je t'en donne de l'eau bénite. Oh non, c'est du sang qu'il fallait lui donner. Merde. Quel con. Si on trouve du sang, on y retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Crocodilien. Ok, reste calme. J'étais pas prêt pour un boss, bordel de merde. Tiens, t'apprendras. Corruption grouillante. Ah putain, mais il est dégueulasse en plus le machin. Peur tapis. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu. Quoi? Oh la vache. Ah mais on peut pas... Ah oui, non, protection 80, esquive 200. Et d'accord en fait. Tiens! Prends-toi de l'infection. Submergé. Dégâts, esquive, protection. Qu'est-ce que c'est? Prédateur alpha. Oh la vache! On reste tranquille, il n'y a pas de problème.
Mais tu vas te buffer tout le temps en fait, c'est ça le... Très bien. Non, très mal. Tiens, prends-toi plus de serpents. Eh merde. Yes. Ça c'est bien ça. L'autre aussi elle va pouvoir faire pareil. Non, bandage. Infection. Évidemment. Esquive. A time to perform beyond one's limits. Là, j'aurais bien voulu ma protection en fait. Submergé. On va pas le toucher là, 45% de chance. Ah si, mets lui l'infecte. Ouais, infecte-le parce que putain. J'aurais dû me protéger. Bon, c'est pas grave. On va faire double esquive. Predator Alpha. Putain, ça peut toucher plusieurs personnes en plus. Tâche de gueule. Allez les mecs. On y est presque. Pas le laisser régène 85%. Voilà. Tiens, ça te prendra. Oh, Cody là, la con. Wow. As victories mount, so too will resistance. Truc pour le bandit, tu vois. Tour de coup ensanglanté. Uniquement pour bandit, cours pourpre. Vitesse 2, esquive 10. Eh bien, un réflexe, c'était un accident. Chance de vertu plus 45%. Oh, non, on a des pelles, ça. Objectif de quête. Évidemment. Pilier croulant. Une preuve qu'une structure bien plus grande se tenait autrefois dans ces marais. Piège. C'est dégueulasse, c'est quoi ces machins? Allez, go. Combat? Non. Ouh! The maddening whine of multitudinous wings abates. Let us hope that is the end of things. In those younger years, my home was a hive. Of unbridled hedonism. A roiling apiary, where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Ce
sont tous fous aussi les uns que les autres, autant les uns que les autres, quoi. Donc l'ancêtre, là, il voulait tuer cette femme parce qu'il pensait que, enfin voilà, quoi, il avait des idées folles. Et en fait, au final, c'était une créature, enfin un vampire, quoi. Intouchable, ça c'est cool. Bah ouais, c'est bien passé pour notre premier run DLC. These swarming fiends carry a pernicious plague. A sickness so virulent, so insidious. It is more a curse than a mere disease. Alors, infestation insidieuse. Le hameau a une fois encore retrouvé un niveau supportable de dégénérescence. Cependant, il semble inévitable que cette pestilence se propage dans les environs. Toutes les régions connaîtront une infestation croissante. Donc, elle a perdu la nervosité, c'est bien. Alors, fais voir, parce qu'on a récupéré quand même quelques trucs intéressants, là, tout nouveau. On peut pas les classer par ordre de trouvailles. Ouais, c'est ces deux-là. Alors, on a le chapelet de rédemption pour les Vestales. Alors, cours pour compétences de mêlée et critique, donc dégâts et critiques. Pour les mêlées, chance de vertu moins 15. Je crains les murmures de mon esprit. Chance d'infliger un malus 35%. Chance d'infliger une interdiction 35%. C'est vachement bien ça. Je me demande si ça c'est pas quand on est corrompu là. Uniquement pour le bandit, donc vitesse et esquive, qui est ok, qui est potable. Et après chance de vertu 45%. Pas mal. Just as I feared. Now loosed from their brackish prison, they will spread like locusts across our land. Okay. Alors, récoltez le sang. Activez les réserves du vinificateur. Les héros maudits tremblent, se lamentent et demandent plus de sang. Ce fluide maudit ne peut être trouvé de manière fiable que dans la cour. Recherchez des caisses marquées de la réserve du vinificateur. Ah, c'est pour aller récupérer du sang. Okay. Et là, ça c'est un boss du coup. Baron, éliminez le baron. Le baron vous invite à rejoindre ses jeux tordus. Fouet du baron. Malus 600, s'il souffre de malédiction pour. Vitesse 4, s'il souffre de malédiction pour. Dents et bréchées. PV max, résistance de déplacement. Résistance coup fatal. Est-ce qu'on peut faire le baron? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous êtes cordialement invité à la cour. D'accord. Ah, et je crois que si on perd, il faut aller récupérer un autre... ça, là, une invitation. Je crois que ça marche comme ça dans ce DLC. Pour faire les boss, il faut avoir une invitation. Je crois que c'est ça. Alors, fais voir. Parce que ça, c'est du vétéran. En plus, c'est petit. Mais du vétéran, nous on a plein de niveau 4. Donc ça peut fonctionner. En plus on a un peu d'argent de côté. Alors, Raincourt qui est un peu relou parce qu'elle a pas de vitesse. Mais je crois que c'est la seule qu'on ait. Il y a Runeville en... Ouais bof. Enfin c'est peut-être plus safe d'avoir Vestal quand même. Et après en combat, on a quoi? On a elle qui peut être en derrière. On a un croisé. Qui est pas mal. Et on a un chien du coup. Et un chien où on n'a pas récupéré. On n'a pas récupéré la breloque là qui est vachement bien. On fait voir un peu les habilités qu'on a. Alors
Ça, Marc, toi tu fais... Oui, toi tu fais du basique. Même si on peut peut-être te mettre autre chose. La marque, peut-être. Toi, t'es normal. Ah oui, on peut peut-être mettre la marque. Comme ça, les gens marquent, en fait, les uns les autres. Ils se marquent les uns les autres. Alors, on va pas faire ça, parce que sinon, ça va retirer la marque. Et là, on peut la mettre qu'une fois avec lui. Alors, précision écrite. Le tir. Ça, ça marque la cible. Donc, à la limite, on a peut-être pas besoin... Ça c'est pour tirer devant, ça c'est pour tirer aléatoirement. On va tirer devant, ouais, c'est pas mal comme ça. Je pense que c'est pas mal là comme ça. On va regarder vite fait les armures et tout ça. Et je pense qu'on a notre équipe pour le boss. Allez, 4000 c'est pas la fin du monde. Ah oui, marquage. Protection moins 27%. Ah, je suis pas très fan hein, d'utiliser de l'argent pour certains, mais là ça va quoi. Puis en plus le chien, on n'en a pas. C'est celui-là le plus élevé, je crois. Donc ça va, ça va, c'est pas trop grave. Alors elle, il lui faut du soin. Ah oui, alors attends, ça c'est quoi? Non, c'est pas intéressant. Donc du soin en plus. Esquive. Ah mais elle a du DHP en moins. 15, 20. Ouais c'est mieux. Comme ça elle gagne un peu de vitesse aussi. Alors faut bien les équiper, donc là on a de la précision et de la vitesse. Précision, vitesse. Parce que là on a un boss, là. Après, on a précision, crit. Il nous faudrait que dégâts et crit en fait. Ou alors dégâts purs. Ça marche aussi. Précision, vitesse moins 2, crit. Ah oui, voilà, l'anneau de tireur d'élite. Ça va être plus intéressant. Précision, crit. On n'a pas un truc avec crit. Avec juste du crit. Après, on va combattre un barbe. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une bête, une horreur, un humain, j'en sais rien. Ouais, on peut peut-être faire ça, mais après, ça va pas être utile en fait. En combat de boss. Alors, dégâts, vitesse. On lui met l'anneau qui fait genre 20% de dégâts et puis basta peut-être. Très simple. De toute façon, elle a déjà pas de vitesse. Donc, honnêtement, pareil au même quoi. Alors, pour le chien. Ouais, le chien, on est vraiment... Putain, ça serait vachement bien qu'on ait le truc. Toi, protection et précision. Dégâts critiques. Ouais, nickel. Toi, je pense que tu vas prendre un peu des PV et de l'esquive. Ou alors que de l'esquive, parce que comme ça t'auras pas le problème de précision là. Alors on a de la précision pour la distance. Lui il fait surtout de la distance avec son chien. Donc bon. Alors pas ce qui marche avec la lumière, parce qu'on a vu que ça marchait pas. Je sais pas trop quoi mettre du coup. Vitesse dégâts et stress, précision en moins. Précision écrite. On perd en esquive. Ouais, enfin on compense quoi.
Ouais, on va passer comme ça. Ouais, il n'y a pas trop d'esquive. Mais je pense que ça va passer pour le boss. J'en sais rien, en fait, je connais pas le boss, mais... mais je pense que ça devrait être bon. Allez, on y va. Ah, s'aventurer dans la cour utilisera une invitation, oui. Ah, et donc du coup, faut vraiment pas se louper, quoi. Vraiment pas se louper. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'acheter des torches, du coup. Pourquoi on a autant de ressources à acheter? Très bien, on a du sang aussi. Ok, on est bon. J'ai envie de prendre du sang juste au cas où. Je sais pas s'il n'y a pas un événement avec du sang. Peut-être. Je sais pas, on verra. On est bon. They would arrive in teeming hordes, adorned in powdered wigs and pretension, seeking to slake their thirst on wine and indecency. Mel's intoxication invariably took hold. Innocuous frivolities would escalate to ever more disturbing diversions. Orchestrating the hideous affair was a hunchbacked fiend who seemed to delight in proportion to the suffering he caused. I could have stopped him, I suppose. But I was a slave to my own appetites, and restraint would have rendered me a hypocrite. Ah, il aurait pu. Ah, il aurait pu l'arrêter, mais il l'a pas fait. L'ancêtre est puissant, en fait, comme mec. C'est juste con qu'il soit un connard, en fait, au final. What games does this diminutive fool play at now? Ah, donc, le mec, il. Le baron, là, qu'on va rencontrer, lui, il torturait les gens, lui, il aimait ça. Alors, quête épique. Cette quête est épique. Personne ne s'attend à ce que vous terminez la quête épique du premier coup. Vous pouvez vous regrouper, abandonner la quête à tout moment et votre progression sera enregistrée lorsque vous obtiendrez une nouvelle invitation. Vous pourrez continuer la quête là où vous l'aviez laissée. Carrément ? Quoi, c'est super grand ? D'accord. Ah, ok, c'est en plusieurs fois du coup, intéressant. Je pensais que ça allait être juste un combat de boss, quoi. Ouais, enfin, moi je préfère garder mes ressources du coup. Si on peut le faire en une fois, go, mais bon, du coup, ça me. Je me demande si on peut vraiment le faire. Mortality clarified in a single strike. 24. Ah, ils sont chauds les machins. 170% de résistance à l'étourdissement. Ah bon, putain. D'accord, on s'en fout complètement. La musique est sympa. Ouais, mais bon, par contre, le stress... Pourquoi autant de stress, quoi? On n'a même pas du stress en plus, c'est ouf, quoi. Ouais.
confidence surges as the enemy crumbles. Ça m'étonnerait, hein. On est d'accord que ça passe pas. Très bien. C'est bien parce qu'elle le met en 2. 2, tout le monde, tous les mêlés en fait peuvent atteindre la position 2, donc il n'y a pas de problème. Ah mais oui, mais j'ai ça moi. Tout le monde peut atteindre la position 2, y a aucun problème. Et elle, du coup, elle peut aussi l'atteindre. Ça, c'est bien. Du coup, c'est des suceurs de sang, en fait. Ouais, bah, c'est logique. Les wounds de la guerre peuvent être healed, mais never hidden. Ah, il est là. C'est des suceurs de sang. Ce qui est logique. Oh mon dieu, chevalier. Dégueulasse. Ok, il a pas trop de résistance au stun. C'est bien parce qu'avec le chien on peut marquer. Ouais. Avant que l'autre elle tire parce qu'elle a vraiment une vitesse de merde. Du coup elle devrait one shot. Très bien. Ça m'étonnerait que ça passe une deuxième fois, mais j'ai envie de tester. 3 à 7. 1 à 3. Non, on va faire des dégâts. Hop, protection en moins. 27%. Pourquoi elle ? Faudrait un mec de la peste. Ah, on va taper. Pour enlever le saignement. Ah, 13 à 30. Ah, ça marche bien, hein, ça. Et combien de crit? 33%. Pas mal. Là on a un truc sympa, un truc sympa. Le chien et un tireur. Chien et tireur, ça marche bien je trouve. On va se soigner. Joli. Je sais pas si j'ai des skins pour elle, je crois pas. Là on a une bonne équipe. Hein. Ah putain, le truc il a soigné, non? Ah non. On va peut-être lui mettre l'anti-stress. Seize this momentum. Push on to the task's end. Peut-être lui mettre l'anti-stress. Ouais, mais bon, à la place de quoi? Ça. Non. Ça. Vous dans l'eau à mon nom. Ok, on reste. Oh la vache. On reste tranquille les gens, tout va bien, tout va bien. Restez concentrés, c'est ça le plus important. Restez concentrés. Ok, toi tu fais peur. Enfin vous faites tous peur honnêtement. Très bien. Je
Je me demande si... Ouais, non, comme on avait dit, il faudrait une vitesse de fou, en fait, sur quelqu'un qui marque en premier pour faire fonctionner, genre, le truc avec vitesse plus 4, 7, un truc comme ça, et critique plus 12, un truc comme ça. Ça serait bien. On marque d'abord, et après, elle tire. Pas mal. Pas mal, mais c'est pas assez... Ça va faire mal, je pense. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Dégâts et vitesse. Aïe aïe aïe. Ok, toi je crois que quand tu te mets derrière, en fait c'est pour ça qu'elle le met, derrière alors qu'il était devant. D'accord, ok, ça fonctionne. Ça marche. On va essayer de limiter d'utiliser les objets, parce qu'on n'en a pas des masses non plus. Est-ce qu'on peut te manger ? Voilà. Aïe aïe. Ça va. Non, on peut pas les stun. Il est bloqué en deuxième position, c'est bien. Ah, faut qu'il soit en arrière, ok. Continue the onslaught. Destroy them all. D'accord, ouais, du coup tu peux jamais le faire. Regardez là-haut. Tenez bon. Wow! S'il vous plaît, héros vertueux, libérez-moi de ces terribles chaînes. J'ai une dette envers vous, merci beaucoup. What? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Brume changeante, une brume menaçante s'élève du marécage, impatiente de désorienter les voyageurs malchanceux. Ah, on utilise une torche. Putain, ça tue! Mais c'est un curio. Ok. Ah, mais le mec, il a rejoint notre équipe ou pas? Je me demande. Parce que ça, si c'est un maître d'armes... Honnêtement, si c'est un maître d'armes qui a rejoint notre équipe, genre, ça serait bien qu'il soit niveau 3 ou 4. Genre, avec tout augmenté, parce qu'on en a pas. On en a qu'un seul. Et il est niveau 6, et... Merde, il s'appelle... Vanguard, on a que Vanguard. Donc moi je dis pas non pour avancer vers cette pièce verrouillée. Qu'est-ce qu'on avait dit pour ça? Ah, j'ai pas pris de pelle. Merde. J'ai été con moi. Pièce verrouillée, mais pièce verrouillée comment? Là, on peut la déverrouiller ou pas? On peut utiliser des torches. Tiens, brûle. La porte verrouillée.
Se cache-t-il derrière ce portail entravé? On n'a pas de clé. On n'a pas de clé. Donc du coup, il faut trouver une clé. Oh, je dois me retaper le chemin en arrière. Aïe, 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 le stress. Non. Aïe. Pour l'instant ça va, on n'a pas trop consommé de ressources, ça va. On a eu des surprises, mais bon, c'était tenable. Oh mon dieu, truc dégueulasse. Pourquoi tu vas aussi vite? L'ordre est super chelou, hein, des fois, je ne comprends pas du tout. Alors, étourdissant. Non. Je crois qu'on va marquer le cheval. Ah putain, pourquoi elle passe en premier? Bon, on peut faire ça. Ouais, voilà. C'est pas mal ça. On marque ça et après on fera des AOE. Ah, le seul malus qu'on ait là, c'est de pas avoir de personne en fait qui soigne le saignement et l'infection. C'est vraiment ça le problème. Ils ont l'air d'être sensibles au saignement tous. Ouais, ils sont très bas. J'ai vu encore personne qui est au-dessus de 50. Enfin de 40 même. Tu fais un peu peur. C'est bien parce qu'il a de la protection, donc du coup le chien lui fait baisser la protection, ça c'est vachement bien. Donc normalement, voilà, 13 à 30. Très bien. Très puissant, très puissant. Mais toi t'es pas Pharam, le croisé. Te mettre un autre skin. Alors on a déjà un croisé comme ça avec la croix rouge. On va mettre celui-là. Là du coup le coup avec les corps c'est un peu utile en fait si on joue la mousquetaire. Ça va, on gère le stress, ok. Beaucoup de nourriture et de babioles, hein, de conneries en fait. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'on est... genre un truc épique là, apparemment. On est où là? On est là. On est là. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de torche aussi, parce que c'est grand.
mais c'est méga grand. C'est ultra grand. Oh, les araignées. J'aime beaucoup le fait qu'il utilise son bouclier. Joli. Ah. Soon. Très bien. As victories mount, so too will resistance. Ah, il y a un obstacle. Ah merde. Très bien. The blood quickens. Pas si mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, protection. Masterfully executed. Nickel. T'as combien de vitesse? T'as un aussi. Ça va être chaud. Très bien. Tiens, balle magique. Merde. Ça, on a eu de la chance. Oh, faut graver des croix sur les balles. Ça aide. C'est quel film? Je crois que c'est Tarantino. Oh merde, avec les vampires là, c'est limite absurde en fait ce film. C'était marrant, c'était bien. C'était très gore aussi. On va taper. Ou pas. Ah merde. J'aurais dû envoyer le chien juste pour faire des dégâts en fait, tout simplement. Ça y est, là. Il serait mort en fait. Ah! Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. The ground quakes. Joli. C'est... Je crois qu'il y a un truc à l'aube, l'aube du jour, un truc comme ça. L'aube de la nuit, j'en sais rien. Oh mon dieu.
Ah, c'est marrant, il gagne un debuff. Ah, c'est parce qu'il se soigne en fait, il grossit le moustique. Je crois que c'est ça la logique. Ah, c'est malin, ça, c'est pas mal. A singular strike. C'est bien trouvé. Slowly, gently. This is how a life is taken. On va prendre l'argent, je pense. On va garder la nourriture juste au cas où. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est grand! Alors, je vais être honnête, on a un problème parce qu'on n'a pas de pelle. Donc, on va un peu se balader. Après, on peut passer par là. Strictement rien. Ah d'accord, en fait c'est le risque, c'est pour ça qu'on peut trouver de la nourriture. Oui, le risque de se balader pour rien. Ouais, bah on se balade, hein. Enfin, on va faire le tour, hein. Je vais pas me prendre le debuff de stress avec les dégâts. On est un peu limité en stress. On a une habilité qui est pas la meilleure pour déstresser, donc ça va. C'est dégueulasse les trucs. Oh. Ça marche. Voilà, brûle. Du vin de goutte. Ah, c'est quoi ça? Des goules? Mettre des goules. Ta protection. Hop là. A brilliant confluence of skill and purpose. Voilà. Elle a une très bonne visée aussi. Elle est toujours à 95. Mais bon, c'est un peu normal, je pense. Rien qu'avec le 15, je crois que c'est le plus que vous pouvez avoir. Ça vous rend quasiment tout, sûrement, à 95% de succès. On va se concentrer sur la goule. Parce que la goule va être chiante avec le stress. Ah, très bien. Victory. Perhaps the turning point. Nickel. Bien joué. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Bon, pour l'instant, faut dire que ça se passe très bien. Je suis très content. Mais bon, c'est un peu long. Je pensais pas que. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. C'est juste que ça fait un peu peur, quoi. Après, est-ce qu'on a besoin d'une autre invitation, droite ou gauche? Une autre invitation pour rentrer? Je crois. Oh, c'est quoi ce truc de... Une ruche envahissante, et ruche est malsaine et contre nature, et le travail de la vermine maudite. Ah oui, mais on n'a pas les torches spéciales. Ah,
Yes, une pelle. Ah bah, let's go. Puis on va prendre l'argent aussi. De toute façon, on n'est pas là pour récupérer des trucs. Puis là, on commence à avoir plein de nouveaux héros. Donc il va falloir de l'argent pour les équiper. Je sais même pas où on va, là. En tout cas, on a une pelle. Je pensais tellement pas que ça allait être aussi grand. Mon dieu, regarde-moi ça. Oh là! Soif. Non. Stress. Stress plus 50%. Oh putain. Okay. On va se concentrer sur le deuxième, je pense. Vu qu'on l'a commencé. Ah merde! Bah tiens. Comme ça, elle aveugle les deux. On va commencer sur... Oh, peu importe, toi aussi, toi. Pas moins d'HP. Faut que je regarde si je peux pas l'enlever, ça. Ah, c'est dégueulasse. Balai délicat. Très bien. Ah, là, on va se prendre des baffes, mais... ça devrait aller. La marque, elle reste deux tours. On peut marquer l'autre aussi. On peut marquer plusieurs cibles ou on peut en marquer qu'une seule? Oh putain, ça je sais pas, pardon. Dans le doute, on va faire ça. Comme ça, on mettra du sang partout, du saignement partout. Alors, est-ce que je peux enlever ça, du coup? Voilà, très bien. Oui! Ça, c'est beau, ça. Nickel. Par soigner hein, vers la fin du combat. Très bien. Là. 13 à 30. C'était pas top, hein. Ah, bon, ça va. Il fait mal le chien, qu'est-ce qui lui arrive? Ça, on va faire un peu de soin. Le problème, c'est que eux, on peut pas vraiment les stun en fait. Donc, du coup, pour faire passer les tours, c'est dangereux. Très bien, 8. Voilà, nickel, on peut le tuer. Comme ça. Ah, on commence à être plein. Très bien, on n'a pas de clé, c'est pas un problème, c'est pas grave. Ok, c'était juste pour un coffre en fait. Ça marche. J'aime bien l'équipe. Genre un mousquetaire là avec son arme à feu, un chevalier en tank, un mec qui repère les lieux avec le chien, la soigneuse et tout, c'est vraiment cool.
C'est vraiment sympa. C'est très sympathique comme, comme équipe, je trouve. Ça, pour l'instant, on a de la nourriture. Donc, il nous faut une clé pour aller là. Va savoir où est la clé, quoi. Ah, les marécages, ils sont énormissimes, quoi. Comme j'ai dit, on va garder tout ce qui est bandage et antidote. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? On utilise un truc ou pas? Attendez, donne-moi une seconde. Je vais regarder combien de temps ça peut durer. Ouais, je pense que je peux encore continuer. Alors, ça fait quoi? Concours palpitant. Ah oui, c'est le stress, pardon. 30, 37. Ok, très bien. Ah ok, on a fait le tour, ça marche. Ça marche. Wow! Ancient straps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Putain. Ok, encore un gros truc. Ah, c'est juste de l'argent. Ah, une pelle, ça serait bien. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Pas de pelle. Les trucs dégueulasses, on va faire la même chose avec la marque. J'aime beaucoup la marque, là on a pris on a trouvé un truc là, ça. On va faire celui-là. Très bien. On va stun celui-là. Très bien. Oh. Hop. Ouais. Mais on mettrait vachement longtemps en fait à les tuer, je pense. Parce qu'ils ont 30 de protection de base. Faudrait. Après, je pense que le flagellant. Il pourrait tout rendre facile. Je pense, parce qu'ils sont très très faibles au saignement, donc à la limite, si vous voulez faire des dégâts, un truc qui saigne. Très bien. 15 HP, normalement elle peut. Nickel. Récolte de sang. Très beau. A time to perform beyond one's limits. Donc toi tu meurs. Great is the weapon that cuts on its own. Très très bien. Ah, on va soigner un peu quand même. C'est à ton tour de mourir. Je sais pas comment il se débrouille quand même pour mettre son bouclier devant comme ça. Hein. Parce qu'il est pas sur son bras, puis après il est sur son bras et tout. Le mec il est super rapide. Boum, très bien. 3 pour 2 tours, ça va. Ouais, ça va. On peut se permettre de les tuer maintenant, notre vie, ça va. Ce serait bien que elle passe en premier, mais ça m'étonnerait. Ah, si, c'est bon. Hey, moins 54 de protection, ça tue. Là, parfait. Nickel! Joli!
This expedition at least promises success. Très très joli. Là, il y a encore un curieux là, un curieux là. Ok, on continue. Je pense qu'on n'est pas censé le faire en une fois. Mais bon, pour le moment ça se passe. Je pense que ça va être un problème quand on va tomber à court de torches. Ok, très bien, on continue. L'appel, on la garde si jamais il y a un obstacle, comme là par exemple. Aïe aïe. Elle a pas d'esquive, elle, hein. Elle a que 15, quoi. Donc faut faire gaffe. Aïe aïe aïe. Elle est à 4. À se reprendre de l'infection, champ. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ok, on va peut-être pouvoir gérer en fait. On a peut-être pas besoin de se soigner. Yes, une torche. A trifling victory. But a victory nonetheless. Dans un sens, en fait, on pourrait faire des allers-retours parce que là, on gagne plein de trucs, hein, en fait. Ça fait un peu chier de balancer autant d'argent. Comme ça. Oh! What? Ah, on peut utiliser les torches comme ça? D'accord, je savais pas. Utile, on n'aura pas plus de lumière pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant un combat, précision plus 3. Je sais pas, j'ai cliqué pour utiliser quand elle était dans le. Dans le truc, quoi. Bon. Demi-tour. Je pense pas qu'on va passer par là parce qu'il y a un obstacle. On va faire le tour par ici. Ah, c'est vraiment des très longues expéditions. Mais ouais, après, je pense que le mieux, ce serait de rentrer et de sortir parce que là, on est un peu en train de la vider. Et notre inventaire, il est plein de chez plein. Mais bon. Moi, je m'amuse. Ah, toi. Tiens. Du sang pour un trésor. C'est quoi ça? Esquive 15, c'est torche supérieure à 75. Ça tue? Cap de camouflage. Pas mal. Ah, il est parti, il a disparu. Pas mal pour breloque verte. 15, c'est énorme, hein. Bah, c'est inutile ici, mais c'est énorme, hein, 15. On pourrait faire toutes les salles en fait. On visite, hein. Après le repérage, je crois que ça se fait vraiment automatiquement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pourcentage qui sont pris en compte dessus. Bon, bah du coup, on va faire le bas. Piège.
sauver le maître d'armes. Ça, c'est le pot de fleurs. C'est les créatures. Qu'est-ce ? On mange cadavre. Ah, mais une... si, on l'a déjà vu, ça, c'est les bêtes. Ok. Si, on l'a déjà vu. C'est dégueulasse, mais on l'a déjà vu. Inspiration and improvement. Bien. Boum. Ah, je devrais peut-être faire du stress, non? Ouais, peut-être, je sais. Ah! La bête, elle prend cher. Ah, mais tu prends pour deux en plus, toi. Du coup, on peut te tirer dessus. C'est pas... sympathique. The bigger the beast, the greater the glory. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Pam 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 pam. Après, on a des combats en arrière aussi. Méga grand. Ouais, mais on n'a pas de place déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Bon, on va voir. Si ça dure trop longtemps, je sors. Parce qu'on est déjà... Ah, la fontaine et tout. On voit des cadavres. Du sang. Des crânes. Alors... La cale est là. Un impie. Knowing uncertainty. Bon, ça c'est pute par contre. J'ai rêvé où il y avait résistance à l'infection. Probablement c'est pas censé faire ça, si. Pour être sûr de le tuer au prochain tour avec le mousquetaire. Ah merde, léthargie. Oh, léthargie, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Ah, j'aurais dû taper. Non, c'est pas grave, de toute façon, y'a pas de cadavre. J'ai rien dit. Ah, mais j'aurais dû faire le premier tir. Enfin, la première attaque. Another abomination cleansed from our lands. Quoi ça? Journal de Darius. Bandit de grand chemin, Murat est tombé mal sûrement à cause de l'air vif, vicié d'un cercueil qu'elle a voulu à tout prix percer avec sa pelle. Ah, on connaît ça. On récupérera ce papier un jour ou l'autre. On est où là?
C'est pour soigner. Ça soigne le stress par contre, je dirais pas non. Je crois. 24. Oh, combat. Ah. Bam. Ou pas. Festin tentaculaire, c'était dégueulasse. Prédigestion, ça aussi c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse ici. Ah merde, je peux plus lui tirer dessus. Ouais, on peut marquer tout le monde. J'étais, je sais pas, j'ai eu un doute sur le fait de marquer tout le monde. Joli. Comme ça l'autre elle peut tirer sur lui. Et voilà. Just size alone does not dissuade the sharpened blade. Ah, il y avait un papier à lire. Par contre, s'il n'y a pas d'autre chemin, on est obligé d'utiliser notre pelle. Oh! Ok, surprise ça va. J'ai l'impression que la marque en fait aide beaucoup ici. Parce que les gros trucs ont toujours de la protection et même les petits, parce que ça c'est. Enfin, moyen à la limite. J'ai envie de dire les monstres moyens. Ils protection 20 et après les gros c'est du 30 à 40. J'ai l'impression que c'est toujours utile en fait de pouvoir baisser la protection comparé à d'autres zones. Puis ils sont dangereux, ils peuvent infecter, ils font très mal. Genre lui il fait très mal apparemment. Oh là, doucement, doucement. Avec ta merde. Pendant 3 tours, ah, ça peut peut-être passer. Boum. Très bien, il est en deuxième. Pas d'infection. Oh, 9. 9, c'est un peu chaud. Sedated. Hmm. 9, c'est un peu chaud. Be wary. Eh, 5. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Parce qu'on a toujours le buff de soins reçus. Ah ok, maintenant c'est 3, ça va. Très bien. Ok. Je dois bien trouver cette clé là. Ça c'est stress.
Quoique. Tiens, brûle. 30. Oh mon dieu, comment c'est grand. Allez, on va là. Merde. What? Ah mais c'est un piège monstre en fait. Ok. Très bien. Ah merde. Attends. On va lui baisser les HP comme ça elle peut le tuer, le finir. Ou pas, d'accord. C'était... ok. Triste à voir. Les blessures de la guerre peuvent être guéries, mais jamais cachées. Elle peut quand même faire quelques dégâts, hein, même en première ligne. Ça va. Non, c'est pas ici. Aïe 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 aïe. Ah, moi je pars pas, c'est marrant hein, ici. Ah, pour l'instant. Oh. Très bien. C'est bête qu'on puisse pas camper, à la limite. Mais bon, les ennemis ont pas l'air trop puissants. Enfin non, ils sont embêtants, mais... ouais, on est bien équipé. Encore une fois, le fait d'être très bien équipé, ça aide. Et oh, le critique là. Et puis des gens niveau 3, enfin maintenant qu'ils sont 4, mais comme j'ai dit, ils étaient tous augmentés. Toutes leurs armures au max et tout, leur habilité aussi. On peut même les switcher les habilités si on a... si on a des problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Malédiction pour l'un de vos héros souffre de la malédiction pourpre. La malédiction est différente des autres maladies. Elle ne peut pas être soignée au sanatorium. Le sang est le seul moyen de la calmer. Il est peut-être possible de la soigner autrement. Ok. Ah, il a le truc malédiction pourpre. Donc, résistance et étourdissement moins 5, infection moins 5, saignement moins 5, PV max en moins et vitesse plus. Oh, la folie dans mes veines. Ok. Ah bah merde, saloperie. Tiens, ça t'apprendra. T'as changé mon croisé pieux en vampire. Bah putain, il va pas aimer. Hein. Ça va devenir Blade, le mec. J'étais un croisé, j'étais pieux. J'étais le... La main destructrice de Dieu. Et ils m'ont changé en vampire. Maintenant, je suis de retour pour me venger. Surgical precision. Ça fait un film. The horror. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ils auraient dû m'achever et pas me changer. Maintenant, c'est moi qui vais à les changer. Non, c'était cool. Oh mon dieu, on va où comme ça? 40 et 34, ça c'est pas bon, par contre. Là, on est un peu où là quand même.
J'ai pas vu ce qui m'avait fait. Ce qui m'a changé en vampire. Enfin, ce qui a changé le lui en malédiction, quoi. Quelle attaque en fait a fait ça? J'ai pas fait attention. Ah oui, mais même eux, ils grossissent en fait. Leur abdomen, là, il devient gros en fait quand ils ingurgitent du sang. Ah, ils ont pas les mêmes attaques en plus. Sympa, sympa. Enfin, c'est dégueulasse quoi. Pas le top là niveau stress. Il faut du crit là les gens. Très bien. Quand on passe à 30-40, c'est pas bon en stress. Là, on a eu des mauvais. Enfin, ouais, non, si, c'est l'horreur hein, qui nous a foutu dans la merde. C'est l'horreur. Eh, crit. Ok. On avance, continue. Ah, il a la lampe rouge comme ça. Oh non. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ah, peut-être que le repérage en fait c'est pas automatique, hein. S'il faut c'est des pourcentages, parce que là on a strictement rien. Je sens que ça va mal finir. Je me demande si on va avoir un stress du fait qu'on quitte la partie si on part. Ça. Le vampire croisé. Ah, même là, l'image elle a changé, elle a pas vu. Grievous injury. Doucement, doucement. Palpable fear. Très bien. Joli. On commence à avoir des problèmes avec le stress, on va devoir partir. Ça fait un petit moment là quand même qu'on combat là.
65. Alors, on va faire encore quelques salles. Ouais, quand on arrivera proche des 100, là, on va s'arrêter. On va partir, on continuera la prochaine fois. C'est vachement sympa, ces longs trucs comme ça. Je trouve ça sympathique, ça change un peu. Bonjour. Cadeau. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ah, mais tu donnes vraiment des trucs sympas, en fait. Ouais, vu qu'on va partir, on va faire comme ça. En tout cas, l'équipe est bien. L'équipe est vraiment bien. On a encore plein de combats là au début. Il y a le maître d'armes. Oh, j'espère vraiment que c'est vraiment une personne qu'on récupère en fait. Qui nous rejoint et qui est genre super élevé. Enfin non, peut-être de notre niveau, mais au moins qui a tout son équipement augmenté, toutes ses habilités augmentées. Genre les 8. Ce serait vraiment cool. Ok, ça fait un cercle. Oh. Oh. Sans déconner. Je suis en train de me demander si ça vaut pas le coup de les combattre, ces machins. Mais attends, du coup la pièce verrouillée. Ah, mais la pièce, c'est la pièce elle-même. Oh. Oh, du bleu. Vas-y, sympa. Ça me fait chier. Ouais, non, mais là, on a trop de trucs, en fait. Dieu, où on va? On s'arrête? On va s'arrêter là, parce qu'on a trop d'objets là. Là on a vraiment, on commence vraiment même à avoir des talismans et tout là. Donc, on va faire ça. Alors, vous vraiment battre en retraite, les héros suivront un stress de la défaite, oui. Enfin, je pense. On n'a pas besoin de revenir en arrière, on est d'accord. We maul so that we may learn to pick ourselves up once again. Un petit 15K. Regroupez-vous. Précision 10 du renseignement. Bon, bah ça va, ça s'est super bien passé, honnêtement. In time, you will know the tragic extent of my failings. Non, oui, ça s'est super bien passé, hein. Je veux pas dire, mais même le stress, il est pas très haut, en fait. Ben, je crois pas qu'on a subi un stress. Hein. Je vais être franc, je pense pas. Bon, toi, par contre, ouais, toi, t'es devenu un vampire, quoi. Du coup, ils nous ont dit quoi, qu'on a eu le maître d'armes? Non, par classe. Angarl. Non, il est pas là, le maître d'armes. Ah si, sauvetage. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Yes. Enfin, c'est un niveau 3, en fait. Pff, ouais.
Bon, je pensais qu'il allait être spécial. Bon, il est pas trop spécial, mais... Non, mais si, ça va. Bah, c'est un nouveau maître d'armes niveau max, quoi. Enfin, de niveau 3 max. Du coup, on peut te donner un autre skin. On peut te donner ça. Woodville. Bah, c'est bien, parce qu'en plus, c'est ce qui nous manquait. C'est exactement ce qui nous manquait. Ah tiens, on a plus les moustiques. Une invitation est nécessaire pour accéder à la cour. D'accord. Champion. C'est pour les champions, ça. On le fera. C'est quoi, eau frais, air frais? Soleil, la Toussaint. La Toussaint, c'était quoi ça déjà? Je m'en rappelle plus. C'est quoi ça? Les insectes porteurs de la malédiction ont commencé à se répandre dans le domaine. Infestation faible. Parce que le domaine a été envahi de nombreux trésors. Ah oui, non, ça. Ok, donc il y aura des bestioles un peu partout, j'imagine. On a 93k. On a ramené quand même pas mal d'argent, 14 000 pour un run comme ça, c'est beaucoup. Bon, on va s'arrêter là, on a ramené plein de babioles aussi. On va s'arrêter là, on continuera la prochaine fois. Prochaine fois, je pense qu'on va peut-être faire le run en champion. Et on va faire... parce que honnêtement, j'aime beaucoup cette équipe. Il y a elle qui est un peu relou parce qu'elle a des... Elle a des mauvaises choses. Alors, saignement. Soins reçus 20%. Contagion. Les héros maudits qui partagent le même bâtiment ou la même activité peuvent se transmettre la malédiction pour le partage d'activité présente le plus grand risque de contagion. Wow. Bon bah ok. Ça, genre on savait pas quoi faire pour rendre le jeu plus difficile, on a fait ça, c'est bien. Soins reçus. Et ça. Très bien. Niveau actuel de contagion en ce lieu, aucun. Attends. Les autres, ils viennent me dire si je fais ça. Moyen, ok. Et si je les mets là. Faible. Ok, donc même en bas, en fait, ça fout la merde. D'accord. C'est bon à savoir. Toi. Bah, de toute façon, on peut pas rien y faire, donc on va juste te déstresser. Améliore la réduction du stress. On peut avoir deux personnes. On va faire deux personnes déjà, parce que ça, c'est un peu le truc creux qu'on n'a pas. Ça c'est fait. Ouais, on va la faire déstresser. Ça c'est, ouais, c'est vachement sympa. Ouais. Faut penser à la, vraiment à la malédiction maintenant. Je comprends pourquoi il y a des gens qui gueulaient, mais bon, enfin après, c'est pas trop difficile non plus. Hein. Voilà, très bien. C'est, faut pas exagérer non plus, c'est pas trop difficile. Enfin, vous le faites pas, honnêtement, vous avez pas de problème. Hein. Vous faites pas le DLC, vous avez pas de problème. Puis après, si vous vous lancez dans le DLC, bon bah oui, oui. Bah après, il faut en subir les conséquences, quoi. Mais c'est pas comme si le DLC allait tout détruire sans... Parce que les gens... En fait, les gens, quand ils se plaignaient du DLC du sang, là, que je voyais les reviews, là, en disant...
Ouais, si vous l'activez dans votre campagne, ça rend tout très difficile, machin. Mes héros, ils doivent boire plein de sang, ils vont mourir, ils meurent tous les uns après les autres, machin. Alors après, peut-être que ça a été corrigé par la suite, mais les deux là, les deux DLC, tant que vous rentrez pas dans la pour la première fois, ils infectent que dalle, quoi. Là, nous, on a la créature qui rôde, la chose de la, des étoiles là, qui rôde. Mais c'est parce que on a commencé la ferme. Et là maintenant, on a une infection, une infestation faible de bestioles, de trucs de sang, de suceurs de sang là, par peau sûrement. Mais voilà, c'est parce qu'on l'a commencé aussi. Donc c'est pas. Non, moi ça me va. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Ah oui, elle, on voulait. Ouais, mais non, on peut pas. Même on voulait compétences de soins. Il faut qu'on verrouille ça. Il faut absolument qu'on verrouille ça. Parce que pour ce que je veux faire avec elle. Et la prochaine fois, bon, on va se débrouiller. On va faire autre chose. Je pense qu'on va faire ça. Champion, réserve du vinificateur là. Et on va aller récupérer du sang. Voilà. Et c'était cool. Et quand on trouvera une autre invitation, continuera. Et on prendra, je pense, la même équipe encore une fois. On reprendra ces quatre-là. Je les trouve vraiment bien, vraiment cool. Lui, c'est devenu un vampire en plus. Donc, ouais, je pense qu'ils marchent très bien ensemble. Elle est vraiment sympa. Je commence à vraiment bien la kiffer. Bon, lui, ça croisé, basta quoi. Le chien aussi, jouer avec, avec la mousquetaire, ça marche super bien. Donc, très très heureux. À la prochaine, ciao!